On est dans un îlot de chaleur, hein, les grands bâtiments industriels du secteur Saint-Viateur-Est, secteur Marylandette. Very concrete and asphalt out there. All around us, in fact, is probably one of the hottest zones. If you look at heat maps that try to map that, this zone is the deepest red you can get on the island of Montreal. My name is Marc Ambard. I'm un ami du champ, the group that tried to convince the borough that we needed to save this place. Mon nom est Richard Ryan, je suis conseiller municipal dans le district Maryland et je suis responsable politique pour le dossier du Champ des Possibles. Le Champ des Possibles, c'est un ancien terrain qui appartenait au Canadien Pacifique, qui avait été acheté par la Ville de Montréal pour faire une cour de voirie municipale. Pour différentes raisons, ce projet-là a été abandonné et la Ville s'est ramassée avec ce terrain-là. This became one of the key issues that people talked about, that it was a space that needed to be protected. It was the citizens who decided we needed to save it. We had really good relations with the borough and with the politicians as well. Nous, on avait une volonté politique quand on est arrivé Projet Montréal sur le plateau Mont-Royal en 2009, d'aller dans le sens de la mouvance citoyenne de préserver ce lieu-là en biodiversité. All of this is cleaning air. There's a whole host of ecosystem services that this zone is already doing for the city in terms of cleaning air, in terms of the heat island effect, but also in terms of capturing rainwater in such a asphalted zone. Les gens peuvent pas s'imaginer comment que la pression est grande quand on se ramasse à un poste de conseiller municipal avec les promoteurs qui demandent, ils veulent acheter des terrains. C'est des valeurs foncières aussi. Donc il y a des défis de pression immobilière qui sont énormes. Fait que ça demande encore plus de courage de dire non. Ça, on garde comme tel. On veut préserver ça parce que pour l'avenir, on pense que c'est plus important. If you were just to put a dollar amount on what this field is doing for the city, just the water management itself is such a huge challenge, especially with more intense and kind of erratic storms that we'll be getting as the climate continues to shift. Dorénavant, dans le plan d'urbanisme de la ville de Montréal, il est zoné parc, donc il va être protégé. On a donc convenu de carrément faire une co-gestion sur ce lieu-là. It's going to stay a park, a wild park. It's going to feel like a field. There's going to be more plantings of native plants to increase the biodiversity of the zone and to attract more insects, more birds, more butterflies. Le côté sud du champ, qui va être le passage de l'allée Saint-Viateur, va être une allée cyclopédestre. There will be a number of things done in terms of the paths to make them a little bit more secure and a little bit easier to get through for the workers who pass through. It'll be a shared community space that the community has a say in. Quand on parle de développement durable, il y a beaucoup de paroles. Il y a peu d'action, mais il y a beaucoup de paroles. De faire un geste comme ça dans le plateau Mont-Royal, où ce que c'est un arrondissement central qui est densément déjà construit, on a peu de terrain, c'est un geste audacieux. Parce qu'on dit, si nous on est capable de faire ça avec 1,4 hectares. Donc, les autres arrondissements peuvent faire encore plus parce qu'il y a encore plus de terrain. If we want to have a more sustainable society, we need to have kids who actually touch nature and have some relationship to it. So to have that close to home is a really important thing.